Si on souhaite traiter de la redéfinition, si on veut, de l'action du Québec en Afrique, le premier élément qu'il nous faut mentionner, c'est l'expression d'une volonté politique. On ne peut s'intéresser, comme État québécois, à l'Afrique s'il n'y a pas une volonté politique ferme de donner une orientation en ce sens. Et on doit reconnaître que le nouveau gouvernement a décidé de donner cette orientation avec force, en demandant, nous, les fonctionnaires de l'État, de travailler à l'élaboration d'un projet de plan d'action pour l'Afrique. Et il y a une volonté très ferme, donc, du nouveau gouvernement d'accroître l'action du Québec en Afrique. Il n'empêche, nous avons toujours des moyens financiers limités. C'est pourquoi il nous faut aussi prendre appui sur les mesures existantes, qui ne sont pas, ces ressources, elles ne sont pas insignifiantes non plus à l'échelle des besoins, des moyens québécois. On a évalué qu'à l'heure actuelle, bon an, mal an, l'État québécois investit un peu plus de 12 millions de dollars dans ses relations avec l'Afrique. La solidarité, par ailleurs, était et est toujours l'un des 5 objectifs de la politique internationale du Québec. Et il est important pour redéfinir notre action en Afrique de se doter d'une vision qui n'est pas limitée au commerce, mais surtout ne l'exclut pas. Cette vision que l'on a voulu se donner est celle d'assurer, par une action internationale, tant bilatérale que multilatérale, une présence effective du Québec en Afrique et approfondir des relations multisectorielles mutuellement bénéfiques. C'est le partenariat gagnant-gagnant auquel référait son Excellence. Cette vision, donc, elle nous a mené à se doter de piliers ou d'orientations. Alors, le Québec, dans sa nouvelle démarche, entend s'associer plus étroitement à l'essor économique de l'Afrique dans un esprit de bénéfice mutuel. Il vise à mieux structurer, à la hauteur de ses moyens, sa contribution en matière de solidarité et de bonne gouvernance en Afrique. Deux vecteurs qui sont à la fois un devoir et une condition essentielle du développement. L'action du Québec se fonde sur les valeurs qui animent la francophonie et l'UNESCO, c'est-à-dire la liberté et la démocratie, la diversité, la primauté du droit, une séparation des pouvoirs politiques et religieux, l'égalité en droit des femmes et des hommes, et un exercice des droits et libertés de la personne dans le respect de ceux d'autrui et du bien-être général. Le Québec veut mettre à profit ses nombreux réseaux en Afrique, et il en a dans plusieurs secteurs. C'est pourquoi notre action, essentiellement, se décline en 4 piliers ou en 4 objectifs. Premièrement, positionner le Québec comme partenaire du développement économique des pays francophones africains dans une perspective de réciprocité. C'est le volet ou le pilier prospérité. Appuyer le développement des compétences en Afrique par le partage d'un savoir-faire québécois. Pilier solidarité. Promouvoir la langue française et la diversité des expressions culturelles. Le pilier identité. Enfin, accompagner l'émergence de la démocratie et de l'État de droit, le pilier gouvernance. Dans le cadre de l'élaboration de notre projet de plan d'action, ceci nous a amené à identifier quelques mesures. Je ne veux pas toutes les reprendre, mais peut-être en citer quelques-unes pour illustrer quel type d'action le Québec veut mener en Afrique et quel type d'action il veut continuer à mener. Parce que, comme je l'ai dit, on prend principalement, nos actions prennent racine dans notre action récente, où on continue des mesures existantes qui ont leur valeur intrinsèque. Volet prospérité, Donc, et l'essentiel, je dirais, des mesures du volet prospérité, on s'en fait un peu tantôt, ont été transposées dans le plan de commerce extérieur. Dans le volet prospérité, on veut d'abord positionner le Québec et ses entreprises en Afrique afin de mieux orienter ces dernières dans leur démarche d'exploration et de consolidation de leur activité dans les marchés africains par l'augmentation du nombre de missions commerciales d'Export Québec. Deuxièmement, faciliter l'implantation d'entreprises québécoises en Afrique par l'ouverture de bureaux d'expansion Québec. Donc, on a, lors de la récente mission du ministre, le ministre a procédé à l'ouverture d'un bureau d'expansion Québec à Dakar et également à Ouagadougou. Un autre exemple, mettre en place une stratégie intégrée de développement économique liée à des champs d'activité correspondant à des créneaux d'excellence au Québec et représentant des mœurs économiques d'importance dans plusieurs pays africains par la création d'un comité stratégique d'entreprise traitant d'enjeux géographiques et sectoriels en Afrique. Il y a un besoin des entreprises au Québec de se rassembler, celles qui œuvrent en Afrique, pour savoir comment, en faisant un maillage entre les entreprises québécoises, on peut mieux agir avec nos partenaires africains. En matière de solidarité, première mesure, elle est bien entendu dans le domaine de l'éducation, appuyer les étudiants africains par l'octroi de bourses d'exemption de frais scolarité au niveau de la formation professionnelle et technique, pas uniquement au niveau universitaire, mais également au niveau de la formation professionnelle et technique. Également, offrir des stages en Afrique suite au séjour d'études effectuées au Québec. Il y a, il faut le mentionner, environ 4000 étudiants africains au Québec annuellement. On veut également accompagner les pays africains pour le développement de leur système d'éducation, particulièrement par l'approche par compétences, en collaboration, et c'est ça notre engagement aussi multilatéral, par nos collaborations avec l'Organisation internationale de la francophonie, l'Agence universitaire de la francophonie, l'Université Sangor et l'UNESCO. On veut également soutenir, comme nous le faisons déjà, des projets et des stages de solidarité internationale dans les pays d'Afrique francophone grâce au programme québécois de développement international et de Québec sans frontières pour les jeunes stagiaires en collaboration avec les organismes de coopération internationale du Québec et les partenaires de la société civile des pays africains. Il y a environ 15 projets annuellement en Afrique qui relèvent du programme québécois de développement international. Il y a environ 200 stagiaires QSF annuellement qui participent à des stages en Afrique. Le premier partenaire à cet égard-là, pour le nombre de stagiaires, c'est le Mali. Pour ce qui a trait au volet identité, c'est important de mentionner que, bien entendu, c'est d'abord la langue française qui est l'objet de notre première préoccupation, étant donné que la majeure partie des locuteurs de la langue française sont en Afrique et seront en Afrique. Donc, il faut orienter les actions de promotion et de rayonnement de la langue française du Québec vers le continent africain, notamment maintenir cet enjeu au regard du sommet de la francophonie, du prochain sommet de la francophonie qui se tiendra à Dakar en novembre prochain. Contribuer également au suivi de l'évolution démographique, linguistique et géopolitique de l'espace francophone par l'appui à la réalisation d'études scientifiques, plus particulièrement avec l'Observatoire démographique et statistique de l'espace francophone. C'est à l'Université Laval que cet observatoire a son siège et c'est par les travaux de cet observatoire que nous avons enfin pu, pour une première fois, chiffrer exactement le nombre de locuteurs francophones dans le monde et quelles sont les tendances démographiques et linguistiques. Enfin, pour ce qui est de la gouvernance, c'est important pour nous et on le fait déjà, et vous en aurez, grâce au directeur général des élections qui est ici, cet après-midi, vous en aurez de bien meilleurs exemples. Il faut continuer à offrir un appui aux processus électoraux et au développement de l'expertise des administrations électorales en collaboration à nouveau avec l'Organisation internationale de la francophonie, notamment par l'échange d'expériences et de bonnes pratiques électorales. Dernier exemple de gouvernance, soutenir les initiatives favorisant le développement durable auprès des pays d'Afrique francophone, notamment par le renforcement des capacités, le développement de partenariats et la concertation politique en collaboration avec l'Institut de la francophonie pour le développement durable, dont le siège est à Québec. C'est ce qui permet notamment, par exemple, de faire en sorte que toutes les négociations portant sur les changements climatiques, donc la prochaine conférence est à Varsovie la semaine prochaine, donc il y a au quotidien, il y a un bulletin des négociations qui est fait, qui s'appelle le bulletin de la terre, et grâce à un partenariat entre l'Institut de la francophonie pour le développement durable, donc l'OIF, la Wallonie et le Québec, on assure la traduction en français du bulletin de la terre tous les jours. Et c'est ce qui permet donc de faire, en appui aux États d'Afrique francophone plus particulièrement, de s'assurer que les négociations puissent se comprendre et se faire en français. C'était là un peu les quelques mesures de notre projet de plan d'action. Si vous me permettez, j'aimerais peut-être traiter aussi entre l'expression d'une volonté et du projet de plan d'action. Il y a une réalité qui est celle de l'état des finances publiques, mais aussi de l'élaboration des politiques gouvernementales ou des politiques publiques. Donc, j'aimerais avoir donné quelques indications sur un peu le cheminement du projet, comment on l'a élaboré et comment fonctionner avec les contraintes que nous avons pour l'action gouvernementale, pour démontrer en quoi, malgré les contraintes, on peut continuer à aller de l'avant et s'assurer d'avoir une action effective envers l'Afrique. Donc, l'élaboration du plan d'action Afrique, c'est un mandat qui a été donné par le ministre, au sein du ministère, a été géré par une approche que l'on appelle gestion par projet. Donc, plutôt que d'élaborer un projet simplement sur une base hiérarchique, on a mis autour d'une table l'ensemble des directions concernées au ministère des Relations internationales et on a élaboré à partir d'une note de cadrage des orientations validées par le ministre. L'élaboration du projet s'est faite sans cloisonnement administratif et se faisait sur la base que toutes les idées étaient bonnes et devaient être discutées en groupe. On faisait en sorte que les gens aux directions géographiques, par exemple, n'avaient pas besoin de remonter, valider leurs idées jusqu'à leur sous-ministre adjoint avant de soumettre une idée. Il fallait participer globalement, identifier. On a donc élaboré un projet comme cela. Ensuite, on a formé un comité interministériel auquel ont été conviés une vingtaine de ministères et d'organismes pour faire d'abord, dans un premier temps, la recension des actions que le Québec menait et mène toujours et voir quel projet également on pourrait, de quel projet on pourrait se doter de façon additionnelle. On a de plus, pour s'assurer que ce ne soit pas uniquement un projet machine, si on veut, mener des consultations externes. Donc, entre la fin janvier de l'année dernière et de cette année, la fin janvier et la mi-mars, on a mené plus de 30 consultations externes au ministère avec divers organismes, soit des organismes de la fonction publique, mais également des entreprises privées, des organismes communautaires, des organismes de coopération internationale, enfin, tous ceux qui s'intéressaient à la chose internationale en Afrique. Une fois le tout concocté, oui, il fallait s'insérer dans une dynamique programmatoire de l'État québécois, ce qui veut dire aussi s'exposer à l'analyse de nos collègues du Conseil du Trésor. Donc, c'est ce qui a fait en sorte que, en gros, la situation, bon, tout le monde connaît la situation des finances publiques au Québec, et de façon raisonnable, on a plutôt muté en une approche séquentielle où on voulait cibler sur des mesures pragmatique. La première mesure pragmatique de cette approche en séquence a été la mission du ministre en Afrique. C'est une mission, littéralement, et plusieurs d'entre vous vous dans la salle où vous étiez, c'est une mission, même à l'échelle de l'histoire canadienne, qui est une mission extraordinaire. Extraordinaire parce que, bon, le ministre, il a visité 3 pays en 10 jours, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, mais c'est surtout que c'était une mission multisectorielle et le ministre était accompagné de 82 personnes représentant des délégations d'affaires, 17 personnes de délégation institutionnelle, donc des gens comme l'ENARC ou le directeur général des élections, 2 représentants de médias, bref, avec les accompagnateurs du ministère, ça faisait une mission de 115 personnes. Dans l'histoire du Canada, seul Jean Chrétien avec un Team Canada dans les années il y a lointain avait amené une mission plus large que celle du ministre Lisée. Cette mission avait, comme il est important pour nous qu'elle soit multisectorielle, donc on envoie le message que oui, il faut faire du commerce avec l'Afrique, mais pas seulement du commerce. On visait, cette mission avait pour objectif des objectifs à la fois politiques, solidaires et commerciaux. On souhaitait y établir des liens avec des représentants politiques et institutionnels au plus haut niveau dans chacun des pays afin d'échanger sur les actions que le Québec souhaite développer avec l'Afrique, réaffirmer le statut du Québec comme membre à part entière de la francophonie et conforter notre rôle de partenaire utile pour l'Afrique. Assurer également, étant donné que nous étions au Sénégal et que le prochain sommet qui s'y déroulera, assurer les autorités sénégalaises de notre soutien en vue du succès de cet événement et échanger sur différents sujets d'intérêt commun. Et l'un de ces sujets pour lequel on s'investit beaucoup à l'OIF présentement, c'est l'élaboration de la stratégie économique. C'est la première fois que l'OIF veut développer une stratégie économique et c'est important pour nous que cette stratégie-là intègre de façon plus spécifique, non pas uniquement l'économie traditionnelle, mais également l'économie solidaire, fasse une place particulière aux jeunes, à l'entrepreneuriat et aux femmes. Dans les objectifs économiques et commerciaux, on souhaitait y accroître nos relations commerciales des entreprises québécoises avec des partenaires actuels et potentiels de chacun des pays visés, renforcer nos relations économiques avec les pays ciblés et faire la promotion de l'expertise québécoise dans les secteurs prioritaires pour les pays visités, en particulier l'énergie, les ressources naturelles, les grands projets, l'environnement, les services aux entreprises, les transports, les infrastructures, les technologies d'information, le renforcement institutionnel et la bonne gouvernance, l'éducation et la formation technique et professionnelle, l'agroalimentaire, la recherche et l'innovation. Cette mission a été une réussite sur toute la ligne, puisque les rencontres à haut niveau ont été fort nombreuses. En fait, il y a eu 25 rencontres politiques au plus haut niveau de chacun des États, soit à la présidence, soit à la primature. Les ministres des Affaires étrangères ont été rencontrés, dans certains cas, ministres de la culture, ministres touristes, etc. Donc, au total, 7 rencontres politiques au Sénégal, 9 en Côte d'Ivoire, 9 au Burkina Faso. Dans les ententes commerciales ou institutionnelles qui ont été conclues, il y en a également eu au-delà d'une quarantaine. Donc, vous voyez, c'est important, cette mission, et en plus de l'ouverture auquel on a référé les 2 bureaux d'expansion Québec, donc à Dakar et au Burkina Faso, bureaux qui permettent à des entreprises d'établir une base temporaire pour tester le marché, s'assurer à moindre coût qu'ils peuvent faire des affaires profitables. Toujours dans la démonstration de l'importance de l'action, donc outre la mission du ministre, il y a eu le lancement il y a 2 semaines du plan de commerce extérieur où on reconnaît une place spécifique pour l'Afrique. Et comme je ne veux pas dédoubler ni scouper la présentation de mon collègue Alain Carrier cet après-midi du plan commerce extérieur, je vais laisser à Alain le bénéfice de développer les aspects du plan de commerce qui touchent à l'Afrique. Un autre volet important pour notre action est celui de l'action multilatérale et de notre soutien en matière de gouvernance. Donc, on continue nos actions en francophonie, particulièrement pour ce qui est du sommet de la francophonie qui s'en vient en novembre prochain. Les implications multiples du directeur général des élections, comme celles qui a menées au Mali, également, ça nous sera exposé plus tard aujourd'hui, mais également la coopération que, étant donné que nous sommes dans les murs de l'ENAF, il faut le souligner, l'ENAF mène de nombreuses collaborations en Afrique, s'assure d'offrir une expertise aux autres Africains qui est fort appréciée et qu'il faut continuer. Enfin, dans la transposition administrative de cette volonté politique de reconnaître l'importance de l'Afrique, dans la nouvelle structure administrative au ministère des Relations internationales de la francophonie et du commerce extérieur, on a recréé une direction Afrique et Moyen-Orient. Auparavant, l'Afrique était jointe à la direction de la solidarité internationale, donc était traitée uniquement sous l'angle de la solidarité. Maintenant, l'approche se veut vraiment multisectorielle, puisque une direction géographique à part entière. Donc, peut-être en guise de conclusion, pour nous, l'action renouvelée du Québec envers l'Afrique, il est important que cette action-là s'inscrive dans la durée. Il faut développer des relations bilatérales plus complètes, plus ciblées. On ne peut pas, à la hauteur de nos moyens, viser tous les pays africains. Donc, notre action doit être plus ciblée et fondée sur les 4 piliers que je vous ai exposés. Il nous faut poursuivre notre engagement dans les forums internationaux parce qu'on le voit, l'action de la francophonie, les principaux destinataires de l'action de l'OIF se trouvent en Afrique. D'où l'importance de s'assurer aussi que les plus hautes autorités de l'OIF soient sensibles et comprennent bien le rôle de l'Afrique et puissent y jouer le rôle important qu'ils doivent jouer comme secrétaire général ou comme administrateur. C'est également important de poursuivre nos actions à l'UNESCO, où l'Afrique est une priorité transversale. Donc, c'est aussi une façon de s'engager envers l'Afrique et de poursuivre notre action multilatérale. Il faut mettre en œuvre et poursuivre nos efforts envers l'Afrique et, qui sait, selon dépendamment des conclusions du rapport qui seront données sur la création d'une agence québécoise de solidarité internationale, à coup sûr, l'Afrique y aura sa place. Et tout ça, c'est donc important de poursuivre nos efforts parce que, selon nous, le Québec, et c'est comme ma conclusion, offre un modèle qui allie un secteur privé vigoureux et un État capable de gérer les conditions d'un développement ordonné. Il peut tabler sur une image positive, son Excellence l'a bien mentionné. Dans plusieurs pays, le Québec incarne une vision plus familière et accessible de l'Amérique, fait des affaires et de la recherche en français, offre un savoir-faire utile et aux besoins, propose un modèle éprouvé de développement alternatif, un modèle coopératif ou d'économie sociale solidaire. Enfin, le Québec peut miser sur son engagement de premier plan au sein de la francophonie, sur sa longue tradition de solidarité et sur tous les acteurs québécois qui sont actifs depuis longtemps sur le continent. Je vous remercie. Alors, on va s'asseoir ensemble, puis je vais vous poser une couple de questions, puis après, si vous en avez, n'hésitez pas aussi sur les politiques de l'avenir de nos relations avec l'Afrique. Moi, j'en ai une première. Vous avez mentionné au moins 8 fois vos petits moyens, donc le budget, toutes sortes de formules, des finances publiques, des contraintes. Est-ce qu'on a les moyens de nos politiques ou on parle puis? Mais dans la mesure où, par ailleurs, on a des contraintes financières, il nous faut faire des choix. Dans ces choix-là, il y a une réalité. Le budget du ministère des Relations internationales dans la dernière année, dans la présente année financière, a été coupé de 14,6 %. Dans la mesure où on continue l'ensemble de nos investissements gouvernementaux, on en rajoute un peu envers l'Afrique. Alors oui, pour nous, c'est la manifestation de notre de ce que l'on considère important de faire maintenant. Vous avez annoncé, le ministre a annoncé l'ouverture du bureau d'expansion à Dakar, à Ouagadougou. Si le haut commissaire ici n'était pas si diplomate, il nous dirait pourquoi pas aller à Yaoundé ou Cameroun. Ah, oui, sans doute. Vous le demandez, c'est pas si diplomate. Ce qui est intéressant des bureaux d'expansion Québec, c'est aussi qu'il faut justement, en cause de nos moyens, avoir de nouvelles façons de faire. Le Québec a eu une représentation officielle jusqu'en 2000. Donc, présentement, nous n'avons pas de délégation, ni de délégation générale en Afrique. Notre dernière représentation, aucune. Nous avons un représentant à Dakar qui est au sein de la CONFEMEL, la conférence des ministres de l'Éducation. Mais la dernière représentation officielle que nous avions était en Côte d'Ivoire et qui a fermé en 2000. Donc, c'est une façon de revenir par aussi un OSBL créé, Expansion Québec, qui nous permet de faire en sorte d'ouvrir des bureaux de promotion commerciale qui permettent aux entreprises de louer un espace, mais pas c'est pas juste un espace, c'est des espaces de bureaux, de services secrétariat, mais aussi un agent sur place qui peuvent les aider à développer des relations commerciales et ça se fait sur une base de paiement de remboursement de frais pour l'utilisation. Et il est prévu là, à un programme corrigé, mais de mémoire, il est prévu d'ouvrir une quarantaine de bureaux d'expansion de par le monde. Donc, il y en a prévu au Brésil, il y en a d'autres en Afrique. Je ne veux pas vous induire en erreur, donc je ne me souviens pas si le Cameroun est sur la liste, mais enfin, donc il y en a un peu partout de par le monde. Et l'intérêt également de cette formule, c'est qu'il y a une formule de partenariat avec ERAI de la région Rhône-Alpes qui a des bureaux semblables. Et donc, les entreprises québécoises peuvent utiliser les bureaux d'ERAI essentiellement les conditions et français, et inversement, les gens de Rhône-Alpes pourront utiliser les bureaux d'expansion de Québec. Par exemple, le premier bureau d'expansion de Québec, c'est toi, est à New York. Est-ce qu'il y a un problème? Vous comptez beaucoup donc, sur l'investissement privé, sur les gens de la terre qui investissent. Est-ce qu'il y a un problème d'image de l'Afrique? Est-ce que les gens n'ont pas peur d'aller en Afrique? Ça, c'est peut-être à propos des médias, d'ailleurs, en tout cas. Il y a un problème d'image, souvent, oui. Perception de l'Afrique. Une perception, mais qui a, moi je l'ai vu au cours de la dernière année, qui a évolué. Mm-hmm. Et lorsque l'on a mené les consultations pour l'élaboration de transactions Afrique, on l'a vu de par l'intérêt partagé par l'ensemble des intervenants du milieu. Là, c'était, oui, il y a des gens comme M. Lechaine qui sont en Afrique depuis plus de 30 ans et qui savent l'importance, mais il y a de nombreux intervenants qui voient là une opportunité nouvelle. Et je pense qu'à force, justement, avec les médias, de passer le message qu'il y a plus d'investissement privé aujourd'hui que d'aide publique au développement, ça demeure plus attrayant. Et on le fait également en prenant appui sur l'expérience vécue du Québec au regard du BRIC, particulièrement de la Chine et de l'Inde, où le Québec a été historiquement un peu plus lent à s'y investir et ça a pris du temps. Or, la Chine et l'Inde ont décollé depuis lors. Maintenant que l'Afrique décolle, il faut être là à la ligne de départ et il faut d'autant plus être là que, contrairement à l'Inde et à la Chine, où nous n'étions pas connus, en Afrique, on a le bénéfice d'être connus, et reconnus, ce qui est très important. Autre facteur, en termes de porte d'entrée, on l'a vu dans nos consultations, lorsque nos interlocuteurs, avec lesquels nos entreprises ou les hauts fonctionnaires discutent en Afrique, ont été eux-mêmes formés dans des institutions québécoises, il y a là une compréhension d'entrée de jeu qui facilite grandement l'élaboration des projets. On l'a vu dans nos échanges avec des gens de la Banque mondiale, qui étaient les deux personnes qui étaient d'origine québécoise, disaient, bon, mais lorsqu'on débarque, on a des projets, et que les gens réalisent que nous sommes québécois et qu'ils ont eux-mêmes étudié au Québec, nos projets avancent plus facilement parce qu'il y a une compréhension commune. Donc, il faut pouvoir tabler sur cet avantage-là, mais il faut être présent là. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, monsieur. Juste d'Afrique décisante pour la ville, je me réjouis de ce plan d'action pour l'Afrique qui arrive à un moment où le contexte économique du point de vue de la croissance est très favorable en Afrique, parce que pour ceux qui suivent un peu la question africaine, ils savent qu'aujourd'hui, il y a 10 ans, l'Afrique est en train de connaître une croissance assez remarquable, de l'ordre de 5,3 ou 5,6. Mais j'ai une question en ce qui concerne un peu ce projet d'antenne de Québec dans les pays africains, dans le cas d'expansion commerciale, par rapport aux délégués du Canada. On parle de contrainte financière. Est-ce que là, il n'y a pas un problème d'économie de mesure? Pourquoi est-ce qu'il y a une dualité entre les délégués du Canada à l'extérieur plutôt que les délégués qui vont venir? Comment cela va se coordonner? C'est ça ma question. D'un point de vue de la rationalité. Je peux pas commander d'une part, je peux pas commenter la réalité fédérale canadienne. Je vais me garder une réserve diplomatique. Mais pour ce qui est de l'État québécois, donc oui, idéalement, on aurait bien voulu dès maintenant ou au cours de la prochaine année ouvrir une forme de représentation en Afrique. Mais, donc, je l'ai dit, c'est une approche séquentielle. Donc, on commence par un niveau d'expansion au Québec et on verra au fil des ans si on peut aller plus loin ou quand est-ce qu'on pourra ouvrir une représentation formelle. Cela étant, dans l'ensemble du réseau diplomatique, entre guillemets, ou de représentation du Québec à l'étranger, l'objectif n'est jamais de dédoubler les fonctions exercées ou de simplement dupliquer la présence canadienne dans un pays. Le Canada a des moyens que nous n'avons pas et il faut reconnaître, il faut le dire, le succès d'une mission comme celle de notre ministre en Afrique repose sur la collaboration que nous menons à bon droit avec nos collègues des ambassades canadiennes dans ces pays-là. Il faut continuer à l'utiliser, cette force-là. Et on y a droit. D'autant plus qu'il n'y a pas de délégation. D'autant plus qu'il n'y a pas de délégation. Donc, le défi logistique d'amener une délégation de 115 personnes sur 3 pays en 10 jours était immense. Donc, on va continuer à travailler avec nos collègues des ambassades, des services commerciaux des ambassades, mais on ajoute le vecteur expansion au Québec. Et en termes de proportion, je ne saurais pas dire combien de missions diplomatiques consulaires au Canada en soutien de par le monde, mais l'ampleur du réseau québécois est modeste, c'est 28 représentations à travers le monde. Mais oui, il faut reconnaître que dès que nous le pourrons, il y a une volonté ferme d'avoir une représentation formelle en Afrique, puisque c'est le seul continent où on a des relations où on n'a pas malheureusement de représentation. Je vais débuter, je dirais, votre dernière sous-question sur l'action des entreprises. D'où l'intérêt d'avoir une approche de responsabilité sociale des entreprises. Mais l'objet de l'action étatique n'est pas non plus d'encadrer toutes et chacune des actions des entreprises, mais il y a une question de responsabilité individuelle des entrepreneurs. Pour ce qui est des budgets octroyés en matière de solidarité internationale, je pense qu'il faut admettre que, oui, les diminutions drastiques de budget qui sont faites à Ottawa font mal aux organismes de coopération internationale, l'ensemble des OCI, syndicales ou non. C'est une préoccupation profonde de l'ensemble des acteurs québécois. Les attentes sont grandes à cet égard-là au regard d'une éventuelle agence québécoise de solidarité internationale, mais il faut encore une fois trouver des solutions qui font en sorte d'avoir une action plus significative. Mais on ne peut envisager en termes financiers de simplement se substituer à ce que fait Ottawa présentement. Ou fait plus. Ou fait plus, c'est ça. Donc, il y a des coupures auxquelles on ne peut pallier. Objectivement, la réalité financière étant ce qu'elle est, Je pense qu'il faut être clair sur cet aspect-là. Mais il en demeure pas moins qu'on est conscient de cet enjeu-là dans l'analyse de la création d'une éventuelle action de l'Agence québécoise sur la internationale. Une question ici? Oui, il n'y a qu'une seule entente d'échange culturel avec les pays d'Afrique subsaharienne, en tout cas. Ça a été signé en 2004 au moment du sommet de la francophonie au Burkina Faso. Est-ce qu'il est envisagé d'en avoir d'autres? Par exemple, au cours de la mission, il n'y a pas été beaucoup question de culture. Peut-être c'était une occasion. Enfin, est-ce qu'il y a des... C'est envisagé d'avoir d'autres ententes de ce genre? Est-ce que vous avez entendu derrière? Donc la question essentiellement, c'est si dans le collimateur des projets d'entente en matière culturelle. Actuellement, non. De façon spécifique, donc on ne travaille pas un projet d'entente plus spécifique avec un État ou un autre en matière culturelle. La culture, par contre, fait partie de nos préoccupations, plus particulièrement avec le Sénégal en vue du prochain sommet. On continue aussi à voir, étant donné l'ampleur de nos ressources, comment on peut avoir une contribution novatrice. Un exemple, une préoccupation, c'est par rapport à la culture, l'expression numérique de la culture. Et le Québec a donné un appui financier pour faire des études sur la portée de la protection culturelle en matière numérique. Donc, on a fait cette contribution-là à l'UNESCO, mais étant donné le développement du numérique en Afrique, on le voit, c'est pas juste en matière commerciale, c'est en matière culturelle également. Donc, comment protéger l'expression de la diversité des expressions culturelles par le numérique. Donc, c'est par un appui, par ce genre d'études que l'on ajoute une pierre, disons, à l'édifice ou à la construction culturelle. Oui, installer une représentation, ce n'est pas uniquement fondé sur la stricte analyse des besoins de relations politiques ou des relations des ministères. On prend chacune des représentations du Québec à l'étranger. Elle est le reflet des relations internationales du Québec et des ministères, organismes et institutions universitaires, collégiales et tout. Ce sont un ensemble de facteurs, les intérêts commerciaux, ce sont un ensemble de facteurs qui conditionnent la mise en place d'une représentation du Québec. Lorsque l'on installe un bureau du Québec à Barcelone, c'est... Il y a là, parce qu'il y a une coopération culturelle qui est importante, il y a un ensemble de facteurs là, qui conditionnent l'établissement d'une représentation à l'étranger. Et évidemment, étant donné, je l'ai mentionné, la grande partie de nos investissements en matière d'Afrique, c'est dans le domaine de l'éducation. Donc, le premier facteur à considérer, ce sera celui de l'éducation. Une question ici. Merci. Il est évident que le Québec souhaite privilégier les relations avec les pays francophones, mais en faisant ça, est-ce qu'il nous rate-t-on des opportunités avec l'Afrique anglophone? Surtout sur le plan économique, les leaders en Afrique subsaharienne, c'est l'Afrique du Sud, le Kenya, le Nigeria, le Ghana. Donc, est-ce qu'il nous rate-t-on quelque chose? Et le lusophone aussi. Lusophone aussi, l'Angola. Dans le cadre de l'élaboration du plan d'action, il y a des gens qui ont plaidé tout ça. N'ayez crainte. Mais, à nouveau, comme il nous faut concentrer, il faut faire des choix. Mais si on prend l'exemple de l'Afrique du Sud, c'est clair que dans une perspective de développement économique, les projets, peuvent et vont être soutenus. C'est déjà le cas, notamment, il y a des ententes de collaboration entre l'Université McGill et certaines universités en Afrique du Sud. Là. Donc, cette relation continue. Mais on ne peut pas faire avec les mains longtemps, donc faire des choix. Mais à nouveau, pour la partie Afrique anglophone, les efforts seront plus faits sur une base ponctuelle, sur une base de projet en matière économique. Je me suis ici, là. Oui. Le problème, c'était aux Africains ici, au niveau de la francophonie, donc l'université francophone, l'université de la francophonie, de rentrer travailler en Afrique dans certaines universités. Ce programme avait été arrêté. Alors, je me demande qu'est-ce qui peut être fait dans le cadre de la solidarité avec l'Afrique, au niveau de votre ministère ou au niveau de la solidarité ou de ce qui doit être mis en place, pour mettre en place ce programme qui était très utile, qui permettait aux Africains ici de rentrer en Afrique pour aller partager leurs connaissances avec les institutions de formation universitaire professionnelle en Afrique. Je ne suis pas en mesure, je n'ai pas la connaissance du programme auquel vous référez. Toutefois, dans l'élaboration du projet de plan, cette question-là a été évoquée. Et ce qu'il faut savoir, c'est que oui, il y a de nos nouveaux compatriotes qui restent au Québec après leurs études, mais la majorité retourne. Statistiquement, le taux de rétention des étudiants étrangers au Québec, là, ça ne dépasse pas 30%, globalement parlant. Ensuite, dans les mesures envisagées, mais que donc il faut analyser la possible mise en œuvre pour comment on peut les réaliser. Il y avait effectivement, il a été évoqué, notamment dans nos discussions avec les vice-recteurs aux relations internationales, une possibilité comment faire en sorte qu'on porte une attention particulière aux diplômes de deuxième et troisième cycle pour former des professeurs, déjà des professeurs qui sont en Afrique et qui viennent compléter leur formation pour retourner et qui pourraient faire leur stage en Afrique. Donc, s'assurer comme ça qu'on forme adéquatement à la fois le personnel enseignant, mais que les étudiants en Afrique qui font leurs études en Afrique puissent eux également bénéficier d'une formation de haut niveau. Mais là, je ne peux pas vous dire. Voici le plan d'action précis. Donc, oui, ça fait partie de l'analyse des possibles mesures. Voilà, on me signale qu'il faut arrêter pour le temps du lunch. On revient cet après-midi, on va parler d'économie, de commerce, de culture, justement, et de solidarité internationale. Je suis sûr que vos questions qui restent à poser, on pourra y répondre à ce moment-là. 14h15 pile. Ça reprend ici. Merci.